L'art pictural et la musique s'entremêlent au musée des Beaux-Arts de Limoges. C'est dans cet écrin, au cœur de l'exposition dédiée au peintre Loutre-Bey, que le chœur de l'opéra a fait sa première répétition de la pièce Saint-François, programmée le 17 avril prochain. Et l'idée ici, c'était de faire se correspondre l'exposition temporaire Loutre-Bey, Loutre-Bissière, et la pièce Saint-François. Le lien, a priori, il n'est pas facilement discernable au premier abord. Il se trouve que Saint-François, c'est l'histoire de la rencontre entre deux François, Saint-François d'Assise et l'écrivain et peintre François Augiéras, qui a vécu entre la Dordogne, l'Algérie, la Grèce. Il se trouve que François Augiéras donc, était un écrivain, pour moi, important du XXe siècle, mais aussi un très beau peintre, qui a eu pour maître Roger Bissière. Roger Bissière était le père de Loutre Bissière, tout simplement. C'est très inspirant, déjà, d'être au milieu des tableaux. Souvent, on parle de couleurs quand on chante. Il se trouve que le fait d'être au centre des tableaux d'un grand coloriste, ça fait beaucoup de bien. Ça peut donner des idées d'interprétation, ça ouvre l'esprit. Et puis l'acoustique aussi est très bonne. Le chœur de l'Opéra de Limoges reviendra dans l'exposition consacrée à Loutre-Bey, cette fois en public, le 4 février prochain, sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire.